Mesdames et messieurs, chers amis et collègues, bonjour, merci d'être là. Cette carte topographique que vous voyez est une carte des alentours de Nuremberg, due à Jörg Glockenden, réalisée en 1492. Place la ville en son centre et trace les chemins qui la lient de son voisinage. La ville elle-même est représentée symboliquement par ses armoiries au centre du cercle, un monde ouvert et clos en même temps. Un an après, le Libre Chronicarum de Hermann Schedel rend une image déployée de la ville. La vue est du sud. Vous voyez les murs fortifiés, les portes, l'extérieur, où on voit des gibets, les potences, le pouvoir qui veut que la ville soit un territoire gouverné par l'ordre, agit, crée un espace propre et protégé. Une ébauche de cette vue, la voilà à gauche, montre en herbe une structure striée de l'ordre bourgeois qui fait encore voir les enjeux de ce type de projection topographique. En 1992-93, donc l'année où la ville forge son imaginaire topographique, je dirais aussi typographique. Albrecht Dürer, qui était né le 21 mai 1471 d'un père émigré hongrois, ayant obtenu le père, donc le droit à la bourgeoisie seulement 4 ans auparavant, et d'une mère néo-bourgeoise, et qui deviendra Dürer le jeune, une des gloires de la ville, n'était pas là. Où était-il ? Il était ailleurs. Deux autoportraits, un réalisé à 13 ans, un peu plus tardif, déjà adolescent, le montrent. Et la chronique de famille qu'il va rédiger un peu plus tard parlera justement de ses voyages de jeunesse. Où était-il exactement ? On l'ignore. Il y a des sources, comme par exemple Christoph Schörl, qui dit qu'il avait parcouru l'Allemagne, Prégrenat à Germania, dit Schörl, à la recherche d'un maître, comme la tradition des Wanderjahre ou de l'apprentissage, ou mieux du compagnonnage, le voulait. Vers la fin de ces années de pérégrination, il se trouvait probablement quelque part entre Bâle, Colmar et Strasbourg. Vous voyez, le monde du jeune artiste s'est dilaté. Les Wanderjahre ont fait sauter le cercle étroit des enclaves constituées et d'autres chemins se sont ouverts. Une autre carte, celle de Eckhard Etzlaub, on peut donner une idée, et je reviendrai sur cette carte beaucoup plus complexe. Mais entre-temps, il faut le dire, le monde lui-même a changé. En 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde, les Maures sont chassés de Grenade, les Juifs de l'Espagne, et Maximilien, roi des Romains depuis 1486, succède en 1493 à Frédéric II en tant qu'archiduc d'Autriche, donc en tant que futur empereur. Je reviens à un des autoportraits, l'autoportrait de Dürer adolescent, l'autoportrait de Erlangen. On voit le visage, le regard vers le lointain, la main qui appuie le visage, ou le visage qui s'appuie sur la main, gestuelle difficilement décodifiable dans ce sens, vu le caractère aussi très spontané de ses dessins. On peut parler du geste typique de la mélancolie, et Dürer sera un des réalisateurs de la grande iconographie de la mélancolie, mais on peut parler aussi d'un geste qui appuie ce regard qui se dirige vers le lointain. Ses mémoires spécifient à un certain moment qu'en 1494, il revient à Nuremberg. Alors le voilà de nouveau devant sa ville. Il
cette ville avec ses remparts, ses portes, ses murs. Et la chronique personnelle donne des détails. Je voudrais vous citer seulement une phrase de la chronique personnelle qui dit justement, on parle de ce retour. Et lorsque je fus revenu chez moi, Hans Frey s'entendit avec mon père et me donna sa fille, une jeune fille nommée Agnès, et me donna en dot 200 florins. Et il fit célébrer le mariage qui eut lieu le lundi précédent de Sainte-Marguerite, l'an 1494. Le voilà, pour ainsi dire, casé. Le premier autoportrait pictural que vous connaissez très bien, puisqu'il est exposé au Louvre, il est daté de 1493, le montre en tant que jeune homme. Il est accompagné par des détails d'ordre symbolique, notamment cette branche de panicot qu'on a identifié, un guillaume qui s'appelle d'ailleurs en allemand, un de ses noms en allemand est Mannestreu, donc fidélité de l'homme. C'est une plante donc qui aurait, c'est une des hypothèses seulement, il y en a plusieurs, un certain rapport avec le mariage et avec la fidélité du jeune Durer vis-à-vis de son épouse. Il y a aussi une inscription qui dit le suivant dans la partie supérieure. Je traduis en français. Mes affaires vont comme il est établi là-haut. La langue allemande de l'époque est un peu difficile. Je peux le citer aussi dans l'allemand de l'époque, que je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est assez juteux comme ça. Voilà. Misach die Gatt als es oben statt. Donc mes affaires vont comme il est établi là-haut. Donc il s'agit d'une mise en scène symbolique. Durer se place sous le signe du ciel et des étoiles, avec des éléments symboliques, probablement faisant référence à son mariage. S'agit-il d'un portrait de fiançailles avec Agnès Frey? Ce n'est pas sûr. Un dessin de 1494 fait foi néanmoins du lien affectif qui unissait le jeune couple. Et néanmoins, peu de temps après son mariage, en automne 1494, Durer quitte à nouveau Nuremberg pour un long voyage. Il part, selon les hypothèses les plus accréditées, pour l'Italie, notamment pour Venise, et il reviendra au printemps de 1495. Raison du voyage, là aussi il y a des hypothèses. Bien entendu, avec l'épouse, c'est une des hypothèses assez fortes. Épidémie de peste. Alors, si c'est l'hypothèse à suivre, comment part-il? Il laisse la épouse seule, donc à Nuremberg. Donc là, les deux hypothèses se croisent. Curiosité d'artiste, on en sait peu. On sait peu sur les circonstances du voyage. Part-il tout à fait seul, accompagné? On ne connaît pas les chemins empruntés. Et même les dates exactes du départ et du retour et du séjour sont inconnues. Jusqu'à la fin, qu'on pourrait même se demander si ce voyage a-t-il réellement eu lieu. Il y a eu des thèses récentes, celle de Catherine Korfot-Lubin de 2005, qui met en doute même la réalité de ce voyage. En effet, on ne dispose pas d'une documentation concrète sur le séjour vénitien, sauf une phrase. De Durer lui-même se trouvant donc cette phrase dans une lettre à Pirkheimer, qui était son grand ami, en 1506, écrite cette lettre pendant le second voyage à Venise, lui très bien documenté. Et dans la phrase, à Pirkheimer, il compare, et je cite maintenant, certaines choses qu'il voit en 1506 à celles vues il y a 11 ans. Donc, cette comparaison, c'est pratiquement le seul témoignage écrit concernant la possibilité de ce premier voyage à Venise. La documentation écrite manque, la documentation iconographique est en revanche significative. Significative surtout parce que le plus de 50 aquarelles et dessins réalisés vraisemblablement par Durer à cette époque,
Je vous montre un choix. Cette aquarelle concerne non pas tant le séjour que le passage. Et notamment le passage nord-sud lui-même, d'où l'intérêt et d'où le poids que je donnerai à cette idée de passage, d'imaginaire du passage dans l'œuvre du jeune Duret. Je reviens maintenant à la carte que je vous avais montrée déjà, la carte des chemins de Herzlaub de 1492. Il faut faire un petit effort pour la lire à l'envers, nord-sud, sud-nord. Alors, vous voyez Nuremberg à notre sud, mais c'était au nord, et Venise, là où commence l'Italie, dans la partie supérieure. Ce serait le trajet parcouru par Durer. Mais cette carte, ce n'est pas la carte de Durer, ce n'est pas une carte faite pour lui, c'est une carte, il y en avait d'ailleurs beaucoup à l'époque, de pèlerinage pour ceux. Ce sont le chemin, pratiquement, qui menait à Rome. Mais le chemin qui menait à Rome sont des chemins qui centralisent l'Europe, les voyages, dans ce parcours mythique vers un des centres de l'Europe de l'époque. Alors, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Nuremberg comme point de départ. Vous voyez, si on suit cette carte, les routes tracées par les lignes pointillées, qui indiquent aussi cette possibilité d'un déplacement point de point en point, on voit à un certain moment, si on a des connaissances de géographie, si on peut suivre cette carte, le pas de Brennero, qui est comme le passage obligé des Alpes. D'ailleurs, des études d'économie ont mis en avant l'importance de ce pas, de cette traversée des Alpes pour le commerce entre les pays germaniques et l'Italie. On sait par exemple que depuis le nord, donc depuis la Germanie, depuis l'Allemagne, étaient transportés notamment de la laine, des tissus, des fourrures. Par contre, depuis l'Italie, notamment depuis Venise, de la soie, des objets de verre, des miroirs, parfois des fruits, des épices. Des œuvres d'art ne sont pas notées de façon spécifique dans les sources, mais auraient aussi pu faire l'objet d'un trafic commercial, notamment les estampes, qui voyageaient beaucoup plus facilement que d'autres œuvres d'art. Bon, question, et la place de Durer dans toute cette histoire? On est donc en 1494-15. Durer était jeune. Moi, je dirais qu'il était un peu trop jeune pour vendre. Bon, pour vendre sa production artistique. Je pense qu'il était trop pauvre pour acheter. La situation, on le verra dans une autre leçon, changera après 11 ans. Et alors, en 1494, si on regarde les autoportraits, on peut se rendre compte que le plus grand bien que Durer possédait, déjà à l'époque, je dirais, était son regard et sa main. Son œil notamment, miroir du monde, motif que Durer lui-même mettra en exergue dans son célèbre autoportrait de 1500 qui se trouve à Munich, avec ce reflet même d'une fenêtre, l'œil fenêtre du monde, l'œil miroir du monde, etc. Au moment où, des années plus tard, il réalisa justement ce célèbre autoportrait de 1500, mais pour l'instant on est 5 ans auparavant, les choses auront changé. Mais essayons quand même, voilà un joli détail de l'œil durérien, essayons quand même de déceler le regard de Durer en voyage, non tant par une mise en scène autoconsciente, comme cela adviendra un peu plus tard dans cet autoportrait, mais par ses performances et ses fatigues. Alors, je reviens à la production d'images, ce que l'œil, ce que la main fait, produit, crée pendant ce voyage. Les aquarelles. Ici aussi, on est en plein hypothèse, domaine d'hypothèse. S'agit-il des témoignages du voyage,
d'un journal figuré, des inscriptions captées. Il faut le dire d'emblée que réaliser des aquarelles, c'est un procédé rapide. On est pratiquement un peu avant l'éclosion du genre paysage. Donc le genre paysage n'était pas encore codifié comme tel. Donc ce sont des expériences limites, inaugurales, sur lesquelles il faudra se poser des questions. D'ailleurs, des études plus récentes ont mis en lumière le caractère de construction de ces aquarelles. Donc, ici, il y a un paradoxe. En dépit du fait que l'aquarelle est un moyen rapide de fixer une image, en dépit du fait que ce sont des images, en toute vraisemblance, réalisées pendant le voyage, donc dans un rapport entre le chemin, le déplacement et le souhait de fixer, il y a un côté construit, un côté construction. Paradoxe, sans doute. Alors, je vais vous proposer quelques analyses. Donc, je ne peux pas analyser les 50 aquarelles et dessins, mais quelques-unes qui me semblent les plus significatives pour voir comment cela se produit. Par exemple, sur route de Brenner. C'est une aquarelle rehaussée qui se trouve à Madrid, qui fait assez bien voir l'importance du motif du chemin qui traverse pratiquement l'aquarelle, l'image, depuis un premier plan vers le second et vers le dernier plan. Au dernier plan, il y a la colline, la montagne. C'est un paysage rocailleux, dur, qui aura attiré l'attention à Dürer pour cette matérialité spécifique, mais aussi pour l'idée de difficulté de traverser, d'emprunter, de traverser une route telle. Autre aquarelle. Une des plus connues, qui représente un moulin. Encore une fois, cette étude de la matérialité des pierres et des rochers et élément surprenant, la présence humaine, ce jeune homme assis sur une pierre de moulin en train de dessiner. Alors là, comme je l'avais déjà dit, on ne sait pas si Dürer, qui était d'ailleurs très jeune, était parti en compagnie d'un apprenti. C'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette présence humaine ? S'agit-il vraiment d'une image d'un compagnon, d'une image d'un autre, ou d'une autoprojection de lui-même, pas en tant qu'autoportrait ? Vous voyez les traits du visage ne sont pas bien soulignés, mais plutôt au niveau, je dirais presque symbolique, une autre projection d'un jeune homme qui fait halte dans son chemin. Il s'arrête justement pour fixer, pour dessiner. Ce serait une des explications. Il faut mentionner aussi que le format de toutes ces aquarelles est très réduit, donc une demi-page à quatre. Donc ce qu'on voit ici sur l'écran fausse un peu les dimensions à l'échelle, mais permet de l'autre côté voir des détails d'une façon assez positive, je dirais. Une autre aquarelle qui représente la ville d'Innsbruck, vue de nord. On est probablement, la date voulait le suggérer, en 1495, d'où aussi des problèmes. Est-ce que cette vue de ville a été-elle faite pendant le voyage vers l'Italie ou au retour de l'Italie ? Là, les choses sont difficilement décelables. Ce qui est important, c'est, et ça, c'est très facilement démontrable, et c'est tout à fait évident, la vue est prise depuis le nord, donc depuis l'espace germanique, pour dire comme ça.
Un autre élément important, à part le raffinement de cette aquarelle qui, avec ses reflets dans l'eau, un autre élément important, il y a aussi un détail voilà, qui montre ces reflets. Un autre détail important sur lequel je voudrais insister, c'est la façon dont, dans l'imaginaire de Dürer, la ville fortifiée avec ses murs et ses remparts se croise, se redouble. Un autre motif, celui de la montagne. Vous voyez, la montagne et la ville ont des profils semblables. Là, il y a un dialogue que Dürer a probablement voulu, avec une intention assez claire, souligner. Encore quelque chose concernant la théorie des genres, je viens de le dire, donc le paysage n'existait pas à l'époque. Et d'ailleurs, ce n'est pas exactement un paysage. Donc, en anglais, ce ne serait pas exactement un landscape, c'est plutôt un townscape. Donc, c'est déjà quelque chose qui fait exception dans la classification générale. Mais les aquarelles du voyage ne rendent pas compte de tout l'itinéraire de Dürer, mais sont des haltes dans la route qui mène de Innsbruck à Trente. Sont des images, il me semble, des images de frontières. Encore quelques exemples. La ville de Trente, vue du nord. Encore une fois, vous voyez la ville et la montagne, avec ses sensibilités chromatiques qui permet à l'artiste de donner à la montagne des nuances de bleu. Ou encore une autre aquarelle, une des plus intéressantes, d'après mon opinion, parce que probablement une des plus rapides, ce paysage près de Segonzano. Notation extrêmement rapide. Vous voyez la tache de couleur se superpose ou suggère un élément géographique. Donc, il y a entre le souci de représenter la réalité et la façon de la représenter, donc le travail pictural lui-même, un dialogue assez intéressant. Donc, c'est un paysage tache. Il y a encore quelque chose d'intéressant dans cette aquarelle. Il y a une inscription. Vous la voyez ici en haut à droite, écrite dans l'allemand de Dürer de l'époque. Cette inscription dit le suivant: Welch Pirg. Alors, cela veut dire, Pirg c'est berg pratiquement, Welch Pirg, montagne. Welch, c'est-à-dire montagne italienne. Alors, c'est une inscription qui m'a beaucoup intrigué. Est-ce que peut une montagne avoir une nationalité? Non, peut être montagne italienne. Quel est le sens de cette inscription? Sans doute, premier sens, cette montagne est une borne, une frontière. Au-delà de cette montagne, je développe ce que je sens se cacher entre l'inscription et l'image. Au-delà de cette montagne, s'étend un autre monde, commence, un certain sens, par rapport au monde germanique, qui était le monde familier de Dürer, l'ailleurs, l'ailleurs latin, si vous voulez. Cet ailleurs est connoté culturellement et linguistiquement. Presque un siècle plus tard, Michel de Montaigne, qui fera un voyage en Italie, passe lui aussi à travers le pas de Brenner et à travers la ville de Trente, que je voudrais vous montrer encore une fois, et laisse dans son journal de voyage une inscription extrêmement intéressante que je voudrais vous lire. Mais on est un siècle plus tard, et celui qui note n'est pas un peintre, mais un homme de lettres, Montaigne. Alors, Montaigne dit le suivant, Trente, il parle justement de cet endroit. Trente, cinq lieues, ville un peu plus grande qu'Agen. Alors vous voyez, on compare avec ce qu'on sait, Trente et Agen. Non guère plaisante,
ayant du tout perdu les grâces des villes d'Allemagne. Lui, il venait de l'Allemagne pendant ce voyage. Les rues, la plupart étroites et tortues. Environ 2 lieues avant d'y arriver, nous étions entrés au langage italien. Alors, moi, je trouve cette inscription extraordinaire. On est entré dans le langage italien. Donc, la frontière, c'est, pour Montaigne, la frontière de la langue. On passe de l'allemand à l'italien. C'est ça, la frontière. Pour Dürer, par contre, c'est la montagne, qui est une montagne belge, italienne. Et c'est la montagne elle-même qui parle, pour dire comme ça, italien. Mais quelle était la langue, justement, de Dürer? Donc, un peintre a sans doute au moins 2 langues. La langue dans laquelle il s'exprime, la parole, et puis la façon donc d'exprimer, de s'exprimer à travers les traits de lignes, de couleurs, etc. De ce point de vue, ce passage d'une langue à l'autre est un problème intéressant chez Dürer qu'il faudra être approfondi à sa juste mesure. Pour l'instant, on peut dire seulement le suivant. Dürer, qui part en Italie, veut apprendre notre langue, pas nécessairement l'italien. Il ne l'apprendra jamais très bien. Alors on verra pendant le second voyage comme il mélange un peu de latin, un peu d'italien, d'une façon assez amusante. Mais il veut apprendre aussi la façon de s'exprimer plastiquement dans une autre langue. Et d'ailleurs, probablement même avant son départ en Italie, il avait connu des estampes qui voyageaient facilement, des estampes de Manteignien, par exemple, qu'il va copier, interpréter. Et vous avez ici un exemple qui montre en effet l'intérêt de Dürer pour une autre langue, pour un autre style, mais aussi pour un autre imaginaire, le corps humain, la déformation du corps humain, les nus, etc. Ce sera un problème sur lequel on pourra revenir une autre fois. Mais je reviens à un autre exemple des aquarelles de voyage, un autre exemple sur lequel je voudrais m'arrêter, la vue d'Arco, qui nous propose un arrêt au nord du lac de Garda, cette fois-ci au retour du voyage. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que c'est le printemps. Alors vous voyez la végétation, vignobles, oliviers, arbres, cela ne pourrait pas être en automne, lorsqu'on suppose que Dürer est parti, mais à son retour. Puisque le regard du nord, c'est un regard en arrière, donc il jette un regard vers ce qu'il a quitté, vers l'Italie quittée. Il y a des études de cette aquarelle qui ont montré en effet, en faisant justement des comparaisons avec l'état actuel des lieux, avec des photographies, c'est un travail assez intéressant. Parfois j'ignore de son utilité, pratiquement, parce qu'on met en balance l'imaginaire, l'imagination avec l'exactitude photographique. Mais parfois, ça peut être aussi utile. Mais de toute façon, ce genre d'études ont montré que cette aquarelle est une combinaison de points de vue. Ils ont lancé aussi l'idée d'une possible double mimésis, donc d'une possible projection anthropomorphe dans certains profils des pierres et des rochers, comme par exemple ici, vous voyez, un profil d'un homme, la bouche, les yeux, le nez, on a découvert un autre ici. Moi, je ne voudrais pas insister, je ne sais pas si c'est vraiment la voie la plus directe, ce genre d'image potentielle, seront au centre des expériences des artistes un peu plus tard, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Pour Dürer, c'est un peu tôt. Ce qui me semble plus important, c'est encore une fois ce rapport entre image et inscription. Parce que l'inscription, donc l'écrit de Dürer, veut dire, donne une indication de lecture de l'image elle-même. Donc, il s'agit d'un rapport
écriture, image sur laquelle je voudrais insister. L'inscription dit le suivant, « Fenedje Clausen », en traduction, « le pas » ou « le passage vénitien » se trouve ici. Encore une fois, une connotation linguistique, topographique, Venise est de l'autre côté maintenant. Mais peut-être aussi s'agit-il d'une glose finale sur le thème visuel de la frontière et de son rapport spécifique avec la montagne et la forteresse, ce sont ses motifs obsessionnels. Donc, une image réalisée, et ça c'est sûr, sur la voie du retour à Nuremberg. Alors, cette vue, la vue d'Arco, il me semble, on peut dire, a la valeur d'un regard rétrospectif, et le passage vénitien a désormais la valeur d'un souvenir. L'image des passages se forge d'ailleurs, c'est un autre thème sur lequel on pourrait insister une fois, je ne le ferai pas aujourd'hui, d'une façon assez étonnante aussi, de l'autre côté des Alpes, en Italie, notamment chez Mantegna, par exemple. Mais on est ici dans les années 70, beaucoup avant l'arrivée de Dürer. Alors vous voyez, par exemple, dans la grande décoration de la Camera degli Sposi de Mantoue, sur laquelle je ne pourrais pas maintenant insister dans tous ces détails, au fond des scènes se trouvent des paysages qui pratiquement précèdent quelque chose de l'imaginaire de Dürer. Passage, frontière, forteresse, montagne. Cela veut dire qu'il y avait une sensibilité vis-à-vis de ce thème du passage des frontières, qui était une sensibilité qu'on peut rencontrer aussi dans l'art italien. Mais je reviens à l'idée de souvenir, donc de la vue d'Arco, d'un souvenir, je dirais, dont on ne pourra jamais peser le poids. Et en effet, le séjour de quelques mois de Dürer à Venise, fin 94, début 95, reste en un certain sens un mystère, une toile blanche, un lieu de toutes les hypothèses. On n'a pas des images de la ville de Venise faites par Dürer ou de la lagune. La mer, par exemple, pour l'instant, est absente de son imaginaire. La montagne, par contre, domine. Et approcher le séjour de Dürer à Venise équivaut à un exercice d'imagination et il faudra trouver des appuis ailleurs. Alors, je vous propose un essai. Voilà, Nuremberg d'un côté, Venise de l'autre, à l'aide de Carpaccio, notamment du miracle de la relique de la Croix, 1594, donc justement l'année de l'arrivée de Dürer à Venise. Donc si maintenant on fait nous-mêmes le pas de nous projeter dans cet imaginaire durérien et de confondre la réalité de la ville avec l'image de la ville, on pourrait se permettre justement de supposer qu'au moment où Dürer, qui avait quitté Nuremberg, arrive à Venise, il trouve une Venise de ce genre. Je montre cette vue, il y en a plusieurs de l'époque Carpaccio ou le Bellini notamment, mais je montre celle-ci parce que c'est justement le quartier où Dürer logera. Ça, c'est le pont de Rialto. Et ici, de ce côté, malheureusement entrecoupé par un cadrage postérieur de ce grand telero, se trouvait le Fondaco dei Tedeschi, qui était l'endroit où les marchands allemands déployaient leurs marchandises. Et c'est à côté du Fondaco dei Tedeschi qu'il y avait aussi des logements pour la plupart des Allemands, même pour les artistes, j'imagine,
pour l'artiste qui saurait aventurer dans cet endroit. Mais regardons un peu ce monde bariolé de la cité lagunaire. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une vue photographique, mais d'une mise en scène faite pour la Scuola di San Giovanni Evangelista, où Carpaccio met en scène ce miracle de la relique de la croix. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement que dans ce monde bariolé, il y a des personnages qui auraient pu entrer dans une synergie ou auraient pu attirer l'attention de Durer lui-même. Alors, on a premièrement, dans la partie supérieure, il y a cette scène d'exorcisme. Peut-être que Durer aurait pu contempler lui-même. Mais vous voyez les grands marchands. Les grands marchands allemands, il y a allemands parfois. Le gondolier noir, par exemple, qui donne déjà une impression de cette Venise pluriculturelle qui faisait de la ville lagunaire justement un des centres de rencontre de plusieurs cultures à l'époque. Une autre image qui pourrait nous donner une impression de Venise au moment de l'arrivée de Durer est due à Gentile Bellini. Il s'agit de la cérémonie de la relique de la croix dans la place Saint-Marco. Le tableau, c'est un grand tableau, commencé en 1494, donc Durer aurait pu le voir au moins dans un état embryonnaire. Et ici se pose d'emblée le problème de Durer et de ses rapports avec ses collègues vénitiens. Le rapport avec la famille Bellini sera bien documenté, surtout pendant le second voyage, sur lequel je veux revenir une autre fois. On ne sait pas exactement s'il avait connu Croisé, Gentile Bellini, mais c'est sûr qu'il a connu ses œuvres. Peut-être cette œuvre, peut-être d'autres œuvres. Encore une fois, il s'agit d'une construction, d'une cérémonie de la Bricroix. Vous voyez que la place, donc le centre de la ville, traversée par les participants à cette cérémonie autour de l'objet principal, mais on voit ça et là, dans la place elle-même, des groupes de personnes qui ne sont pas tout à fait, qui n'appartiennent pas tout à fait au monde vénitien tout court. Et là, il y a des détails qui attirent l'attention et qui posent encore une fois la le problème de l'ouverture de Durer vis-à-vis de ce monde nouveau qui était le monde vénitien. Par exemple, malheureusement, je n'ai pas pu trouver ou agrandir l'image en couleur. Vous voyez ici au centre de l'image trois personnages. J'ai pu les reproduire seulement en noir et blanc. Ce sont trois Allemands. Alors, c'est clair, ce sont des Allemands à cause de leur fourrure, de leur couvre-chef. Ils sont là, donc dans la ville, sans prendre part justement à la cérémonie religieuse elle-même, mais ils ont quand même une place centrale. Ils sont là, et Gentile Bellini les a représentés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a d'autres personnages appartenant aussi à d'autres mondes, comme par exemple ce détail, vous le voyez encerclé ici, et puis agrandi à droite. À droite, on les appelle les trois Turcs. La notion de Turc, pour l'époque, était un peu floue, mais appelons-le encore les trois Turcs. Donc, pas seulement les Allemands, mais il y a aussi les Turcs qui sont présents devant l'église de Saint-Marc, assistant d'une certaine façon à la cérémonie. Plus intéressant encore, c'est que ces personnages ont attiré l'attention de Durer lui-même. Ce que vous voyez à gauche, c'est
un dessin aquarellé de Dürer avec une date apocryphe, peut-être datée après. Donc le problème de la datation reste un problème assez important, mais c'est clair que cette aquarelle reprend le détail du grand telero de Gentile Bellini. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là ? On peut déduire plusieurs choses. La chose la plus importante, c'est que si Dürer avait pu assister à des scènes de ce genre, son regard aurait été filtré, conduit surtout par le regard des autres. Donc il voit les trois Turcs, disons. Les trois Turcs, il les voit grâce aussi à Bellini. On n'a aucun appui pour dire, voilà, il les a vus, il les a extraits, il a fait un croquis vite. Donc sans la grande toile de Gentile Bellini, probablement lui n'aurait pas prêté attention à ces détails. Donc c'est l'œuvre d'art pratiquement de ses collègues italiens, vénitiens, qui lui attirent l'attention. Mais il attire l'attention, il le laisse aussi une certaine liberté. Alors vous voyez le grand changement, un des grands changements, c'est le fait que le troisième personnage à droite, qu'on appelle parfois le serviteur, aussi à cause du fait que dans le détail bellinien, il a une autre position, il est derrière les deux, disons, maîtres, est devenu un noir. Donc ce changement chromatique, qui est aussi un changement culturel, montre en effet que Dürer allait au-delà d'une copie, aller vers une interprétation sui generis et que son intérêt allait justement vers cette, moi je dirais, mais je le dis d'une façon métaphorique, vers ce chromatisme d'une ville qui s'ouvrait vers le monde, sans doute un chromatisme qu'il n'aurait pas pu percevoir dans sa ville natale de Nuremberg. D'autres dessins témoignent son attention aux aspects humains de la lagune. Alors, par exemple, bon, c'est un autre, donc ça, c'est aussi une invention durérienne, à partir probablement d'un détail perçu dans la ville ou dans des œuvres d'art de ses collègues vénitiens. Mais il y en a d'autres où le regard durérien devient très pertinent et qui témoigne de son attention aux aspects, moi je dis aux aspects humains de la lagune. Par exemple, ce dessin qui montre avec beaucoup d'attention une Vénitienne avec son habit très riche, avec sa coiffure, avec son décolleté assez généreux. Intéressant aussi le fait que dans le même dessin, il nous donne une vue par derrière, donc c'est vraiment une étude plurifocale, si vous voulez, qui nous montre une fois le profil de près, avec beaucoup d'attention, beaucoup de détails quant à l'habillement, et puis la figure au second plan, un peu amoindrie, qui est une étude plutôt de mouvement, de passage d'une figure donc en train de se mouvoir dans la ville. Ici, pour ce genre de dessin, je ne pense pas qu'on puisse trouver des filtres vénitiens. Il s'agit plutôt d'un regard de Dürer qu'on pourrait à la limite même désigner un peu d'une façon anachronique comme un regard anthropologique. Donc cette idée, cette souci de surprendre une humanité autre que celle à laquelle il était habitué. Il y en a un autre dessin tout à fait passionnant lui aussi, parce que cette fois-ci, ce regard qu'on pourrait appeler un regard anthropologique fait appel à la comparaison.
On voit d'un côté une Vénitienne, vous l'avez reconnue, voilée avec ses chaussures qu'on portait dans la lagune, on la voit du côté droit, et puis une Allemande, notamment une urbourgeoise, autre chaussure, autre couvre-chef, autre façon de se vêtir. Elles sont ensemble, la urbourgeoise, mais peut-être que c'est un hasard, regarde la Vénitienne, peut-être qu'elle elle considère son habillement, on l'étudie parfois, pourquoi pas, mais on ne peut pas lire ça comme vraiment une mini-histoire, comme une mise en scène d'une rencontre. C'est plutôt une rencontre imaginaire et l'opérateur de ces rencontres imaginaires est Dürer lui-même qui met à côté l'une de l'autre une femme de son pays, une femme allemande de Nuremberg et une femme italienne, une Vénitienne. Un second aspect relié à ce problème, c'est l'utilisation, moi je dirais presque l'absorption des modèles et la création de projections imaginaires. Alors, pour être plus clair, voilà des gravures plus tardives de Dürer. Par exemple, ce que vous voyez à gauche, c'est un extrait de l'Apocalypse de 1498 qui représente justement la grande prostituée de l'Apocalypse. Dans cette grande prostituée de l'Apocalypse, je ne sais pas si j'ai un détail, mais peut-être oui, mais de toute façon, je vous attire l'attention sur cette figure, qui est la figure principale, qui pratiquement prend quelque chose de l'accoutrement, si vous voulez, de la Vénitienne. Peut-être qu'il faudra que je revienne en arrière. Voilà. C'est la Vénitienne, pratiquement, qui est le modèle de la grande prostituée de l'Apocalypse. Un autre exemple. Voilà, ça aussi. Un autre exemple, la célèbre gravure intitulée Némésis. C'est une gravure réalisée autour de 1500, même après 1500, donc après le voyage de Dürer, après son retour, au moment où Dürer déjà déployait tout son instrumentaire de graveur qui le rendra célèbre, pas seulement en Allemagne, mais aussi en Italie. Alors, Némésis, c'est sans doute une grande page de l'art de la gravure pour plusieurs raisons. Alors, du point de vue contact nord-sud, premièrement, la mise en scène du grand nu. Alors, le grand nu était une spécialité qui était en train de se forger à Venise, encore une grande rareté au nord des Alpes. Dürer et le nu, et le nu féminin, c'est un problème à part. Donc, on pourrait même se demander jusqu'à quel point a-t-il travaillé, a-t-il accès, vu aussi certaines contraintes locales, à des modèles nus. Peut-être oui, quand même. Mais c'est clair ici que cette femme nue qui flotte au-dessus des vallées et des montagnes est impossible d'être conçue sans un apprentissage dans une sphère culturelle qui n'est pas nécessairement la sphère culturelle allemande. Important encore, c'est, vous l'avez peut-être deviné déjà, c'est ce vol de la figure de Némésis au-dessus d'un paysage alpin dans lequel d'ailleurs on peut reconnaître Val di Chiusa et l'Alto Adige, donc c'est-à-dire justement les vallées que Dürer avait traversées pendant ce premier voyage. Un paysage fait de passages, de barrières, de montagnes, forteresses, vues en vol d'oiseaux. C'est le moment donc, mais on est déjà au-delà de la barrière de 1500, où ce hypothétique premier voyage, avec la thématisation des frontières et des passages, se projette dans le mythe.
Mais non, moi, j'ai terminé déjà ma leçon d'aujourd'hui, mais elle n'est pas tout à fait terminée, parce que vous le savez déjà, on a un invité, notamment une invitée aujourd'hui. Il y a un séminaire, une discussion qui va s'en suivre, à laquelle vous êtes invité d'assister. Je voudrais d'emblée donc vous présenter notre invité d'aujourd'hui. J'ai invité une des plus importantes photographes artistes actuelles qui, de voyage et de transgression de frontières, en sait quelque chose. Je vous dirai déjà pourquoi. Il s'agit de Giorgia Fiorio, qui est une photographe née à Turin, auteure avec son ouvrage Le Don, qui a reçu en 2009 le patronage de l'UNESCO. Elle a voyagé en 56 pays, donc on est loin d'une transgression seulement les Alpes, Allemagne, Italie. Giorgia Fiorio, que vous connaîtrez sans doute, hein, revient maintenant même d'Irak, de Bagdad, où elle a mis en marche un grand dispositif. Elle vous en parlera, et je pense d'ici une semaine ou deux, elle va revenir en Irak. Mais quelques mots sur son activité. Elle a développé depuis 26 ans une recherche autour de la figure humaine qui se résume en trois moments de son parcours. Entre 1999 et 2000, son projet intitulé « Des hommes », elle va vous en parler, explora les communautés masculines dans les sociétés occidentales, boxeurs, mineurs, toreros, etc. Et vous verrez, c'est une dame très fragile. Tout cela est entré dans un livre intitulé « Figure ». Un autre projet intéressant qui l'a occupé pendant 10 ans, de 2000 à 2010, le projet Le Don, explore les expressions rituelles des croyances dans les 5 continents. Il a fait à cette occasion le tour du monde. En cours depuis 2011, le projet Humanum, l'archéologie de l'être, et c'est d'ailleurs aussi le thème sur lequel elle va s'arrêter aujourd'hui. Être, ça doit être écrit avec une majuscule, vous le verrez sans doute sur le PowerPoint qu'elle va vous présenter, reconsidère la perception contemporaine de l'héritage sémantique de la figure humaine dans la structure archaïque. Pour ce projet, Giorgia Fiorio a collaboré avec le National Archaeological Museum d'Athènes, le musée d'Acropolis, le musée du Louvre de Paris, le musée d'Irak irakien de Bagdad, du Consistorische Museum de Vienne, et développe actuellement d'ultérieures collaborations avec la Neue Ägyptisches Museum et la Papyrumsammlung de Berlin, et le musée archéologique de Salamine et de Nicosie en Chypre. Elle a été fondatrice et directeur entre 2002 et 2012, du séminaire international de photographie contemporaine intitulé Réflexion Masterclass, et elle est membre de la faculté du ICP à New York. Elle est actuellement, et je finis, affiliée à la Scuola Superiore Sant'Anna de Pise, en collaboration avec l'Université Ca' Foscari de Venise, dans le développement du projet Humanum. Ses livres sont publiés en France par Actes Sud, en Italie par Marsilio, Edizioni Contrasti, Motta Editore, et en Allemagne par Brauss Edition, en Grèce, et j'en passe. Les travaux de Giorgia Fiorio ont été exposés, entre autres, à la Triennale de Milan, en Allemagne, à l'Instituto Nazionale per la Grafica de Rome, Maison européenne de la photographie de Paris, Rencontre d'Arles et d'autres. C'est tout pour l'instant. Alors, je pense que Giorgia Fiorio va nous rejoindre bientôt. La voilà, elle est là. Merci. Et je lui donne la parole. Giorgia, vous pouvez venir.